Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, pour ma 100e vidéo, j'ai décidé de me gâter. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis un vrai carnivore, donc pour ce faire, j'ai décidé de cuire un beau morceau de viande, un tomahawk. Vous voyez, c'est quasiment un steak de brontosaure. Donc on va le cuire à la façon sensei, on va le cuire sur les cendres du feu qu'il y a derrière nous. On commence par se faire un bon feu et on va cuire notre viande sur la braise. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Un bon morceau de viande, là, c'est un morceau qu'on appelle le tomahawk, du poivre et du sel. On va attendre que le feu s'arrête complètement. Il reste juste la braise. On va assaisonner notre morceau de viande, donc de sel et de poivre. On va y déposer notre morceau de viande. Ayez pas peur, les cendres ne vont pas coller sur la viande. Ça, ça va goûter le vrai barbecue. Si vous voyez que le feu reprend à cause que le gras fond, vous changez de place pour pas qu'il devienne tout boucané, tout noir. Pour avoir une belle cuisson, il faut le tourner de temps en temps. Et on peut vérifier la cuisson par le toucher. Allez revoir la recette numéro 14 pour avoir les trucs et les techniques de cuisson. On peut remettre un peu de sel, un peu de poivre sur notre steak. On peut le mettre aussi sur le côté pour qu'il cuise bien partout. C'est certain qu'on aurait pu le cuire juste sur un barbecue ordinaire, mais là, c'était pour faire spécial, c'est pour ça qu'on le cuit sur la braise. Après une vingtaine de minutes, ben c'est prêt. Tout dépendamment comment vous aimez la cuisson. Mais moi, comme ça, ça paraît super bon. Wow, toute une pièce de viande. Là, l'important, c'est de le faire reposer un peu avant de le couper pour pas que tout le sang s'en aille. Là, mon côté carnivore et primitif est content. Regardez-moi ça, de toute beauté. La vraie saveur du charbon, du barbecue. C'est excellent. Je voudrais vous remercier de me suivre depuis ces 100 vidéos et je vais essayer de continuer encore longtemps. Donc, si vous avez aimé ma vidéo et ou mon tomahawk, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis et aussi activez la petite cloche pour les notifications. On se revoit très bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Bye!